ce maudit moteur me fait encore un caprice. Oh, je ne comprends pas, ça fait 5 fois qu'il cale. C'est bon ça. La vache, les vibrations, ça me fait des frissons partout, j'adore. Maintenant, si monsieur le moteur veut bien se donner la peine de travailler. Vite! Je retourne à ma place. Oh, quoi encore? Ça y est, je suis prêt. Envoie la sauce. Pourquoi il refuse de démarrer? Hein? Oh non, c'est la panne sèche! Je vais prévenir les capitaines! Mais à la galère! On a vu le carburant! Compagnons de la mer, capitaine Salami, pétrole et compagnie. Et vous n'auriez pas du carburant trop par hasard? Parce que là, on a, plus du tout de carburant. À sec en pleine mer? Ah bravo, vous êtes très fort. Je vais vous dépouiller. Oh, non, je voulais dire dépanner. Aide-moi, s'il te plaît. Je vais mourir avec les vibrations du moteur. Sans arrêter, c'était comme du bazar. Y'a plus une goutte d'essence. Je parie que c'est un coup de zette là. Je sais que je me déteste. Il me faut ma dose de vibrations. C'est vital, sinon je vais mourir. Tu devrais prendre un bon bain jacuzzi. Il n'y a rien de tel contre la fatigue et le stress. Excellent, je suis sauvé! Alors, c'est pas royal comme sensation? Oh, oh oui! Oh, oh, ça fait des bulles encore, encore, encore! Oui, oui, plus fort, plus fort! Explosez mon moteur! Tranquille, je vais te réparer ça, on n'a rien de temps, c'est bon. C'est quoi ce truc? Quelle horreur! Un vieux grippin recyclé! Moi, je touche pas à ça, moi. Mais je sais, j'ai trouvé, je vais fabriquer un nouveau moteur. Un moteur encore plus puissant. Ben voilà, j'ai plus qu'à balancer ce truc-là. Maintenant qu'on est débarrassé de cette camelote, passons aux choses sérieuses. Manœuvre de ravitaillement! Préparez-vous à recevoir le carburant! Là! Après toi à découvrir le tout nouveau moteur turbo de ton jacuzzi. La vraie prouesse de conception consiste en la mise en pratique de la théorie de la vibration ricochet. Théorie que j'ai moi-même inventée et qui stipule que lorsqu'un son est émis à travers une série de chambres de réverbération, il crée une dynamique de résonance, oui monsieur! Gagnant de la vitesse, le son en atteignant le jacuzzi fait le tour de la baignoire et accumule des vibrations. Puis, par un effet de ricochet, le larcène rebondit dans les chambres de résonance où tout amplifié se multiplie. Cette réaction en chaîne se répète à l'infini, produit un effet visuel hallucinant et propulse le occupant du jacuzzi au nirvana. Le mouvement perpétuel, c'est la plus grande invention depuis la brique. Alors? Eh ben c'est moi qui l'ai inventé. Le souci, c'est qu'on n'a pas une goutte d'essence. On n'a pas d'essence, pas de jacuzzi. Mais reconnais quand même que c'était excellent comme idée, non?
Viens par là. Ah! Je te vois venir. Tu veux me faire du mal? Tout ça parce que t'as pas eu ce que tu voulais tout de suite. Je veux... Tes mots dépassent de pensée. Je reviendrai quand tu seras calmé. Rasmo, reviens là tout de suite. Non, j'entends rien. Désolé, j'entends rien. Oh, tu sais, c'est doux. C'est chaud, oh, c'est soyeux. J'adore. Ah, une fouine. Démarre. Vol, qu'est-ce que t'attends, décolle. Hé, Laura, comment on décolle avec ça? Comment ça marche, ton truc? Rapide, au secours! Y'a une fouine, y'a une fouine! Hey. Alerte jaune, y'a une fouine à bord! Bien sûr, et le moteur du jacuzzi, je vais l'attendre longtemps? Il faut se cacher. Quand est-ce que tu remets le moteur en marche? Le fromage est en train de durcir, moi. Hein? Une fouine! Il est passé où, le petit gros? Il est dans le placard. C'est pas moi. Au secours, au secours! À l'aide! À l'aide! Accroche-toi, vieux! Rapido, attrape ma main! Tu vas lâcher la porte, oui! Non. Voyons, vu la taille de Rasmo, il va falloir à la fouine au moins 20 secondes pour le bouffer. Ce qui me laisse tout juste 20 secondes pour me tirer d'ici! Ne mangez pas, madame! Mais c'est pas du tout mon intention! C'est vrai? Alors je peux y aller? Non! Tu vas d'abord m'apprendre à faire décoller cet engin! Grâce à toi, je vais enfin pouvoir réaliser le plus grand rêve de ma vie! Qu'est-ce donc? Voler! Oh là! Qu'est-ce que je fais maintenant? On va parler, j'étouffe! Merci beaucoup. Je veux voler, décoller, atteindre les cimes éternelles. Allez, envole-toi. Il faut que je me cache avant que la fouine revienne. Je veux voler. Oh, je vole. Oula, faut pas que je traîne ici. Ça décoiffe. Non. Waouh, pile là où je voulais atterrir. Là, ici, elle viendra pas me chercher, la folle. Mais... Ça nous fait donc un total de 1 000 000 d'euros et 35 centimes. 1 000 000, diable, mais regardez-moi bien, vous vous payez ma tête. C'est le prix. C'est un scandale, capitaine, vous êtes un voleur, un pirate de la pire espèce. Oh oui, j'ai honte. Passez-moi les billets. Bon, ils ont fini, on devrait plus tarder à lever l'ancre. Alors, je veux bien t'accorder encore une chance, petit, pour me faire décoller, mais... Attention! Impossible, vous êtes trop lourde pour la ratboard. Mauvaise réponse! Je veux voler! T'es sourd? Mais bien sûr, j'ai trouvé! Puis-je vous présenter le tout dernier modèle de jacuzzi? Avec son système de vibration ricochet intégré, vous serez au top de la turbo-attitude! Sensation garantie! Ouais, j'achète! Je veux bien l'essayer, ton truc! C'était un plaisir de vous rendre service! Oh oui, tout le plaisir était pour vous, Salami! Bien, il est temps de repartir en quête d'autres pigeons marins! Décolle, allez, décolle! Bon voyage, Denise! Décollage dans 2 minutes! C'est que vraiment n'importe quoi, une fouine. C'est bien la dernière fois que j'oublie d'emporter mon jerrycan! Ha! Y'a rien à dire, dès que je calcule, je tombe pile où je veux. Hein? Hein?
Attends, je suis pas d'accord là. Youhou! Les vibrations, oui, c'est bon.